Alors, ce soir, on a prévu de diffuser le film Food Co-op de Tom Booth, qui est un Américain qui vit à Paris et qui a eu l'idée d'aller filmer une coopérative alimentaire à New York, qui a été fondée, je crois, en 1973. Et pour lui, il avait en projet, en allant filmer à New York, il avait pour projet de créer sa propre coopérative alimentaire à Paris. Et c'est ce qu'il a fait à l'issue du film. When I talk to people starting co-ops, I say, well, you want there to be a lot of excitement about your co-op when you start it, but what you're really doing is you're building a connection. And if you succeed in getting people to feel connected to their co-op that they own, the stronger you can make that connection, the stronger your co-op will be. I live nearby, I'm gonna go home, take a shower, and then go to work. So, how do you build a connection? If you ask someone for one of the most precious things in their life, which is a little bit of their time on earth, not your money in your bank, it's time on earth. That's all we've got. So if you're going to give that, you can make a connection. What do you do for a living? I'm a designer and animator. I work in social services. I work with the homeless. What do you do for a living? I'm a psychoanalyst. Ouais, c'est un film, je trouve ça super intéressant, moi qui suis quand même, je pense, un des plus jeunes de la salle. Et ça nous impacte tous, je pense, au quotidien. Et puis c'est marrant de voir une micro-société s'organiser autour de cette organisation-là. Et je trouvais ça sympa de découvrir ça. Bah, ça donne envie de découvrir de nouvelles façons de s'ouvrir aux autres, de travailler avec les autres et pourquoi pas de découvrir ça par la nourriture et par un supermarché. Je ne sais pas s'il n'y en a qu'un pour l'instant à Brooklyn, mais je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus ce modèle partout dans tous les pays en fait. On venait de se dire que c'est le genre de film super, vraiment. Mais moi, chaque fois que je viens ici, que je regarde ce genre de trucs, comme le potager de mon grand-père, la sociale, tout ça, je culpabilise après, à mort. Parce que je me dis que, fondamentalement, là, par exemple, je me dis, on pourrait mettre le truc en place. Il faut juste que on se botte les fesses et qu'on le fasse. Et donc, cette soirée a pour thématique le zéro gaspille, avec donc ce film Food Co-op. Et ensuite, on proposera au public un buffet zéro gaspille qui est fait donc en partenariat avec les Biocoop de Quimper et Concarneau. On a récupéré plein d'invendus, transformés en des mets délicieux. Ben oui, ce sont plein de légumes, fruits qui sont réutilisés en tout cas, pas mis à la poubelle. Et ça donne un buffet extraordinaire, magnifique, coloré, plein de saveurs. Il n'y a plus qu'à goûter.